Bon, je te dis la vérité. J'ai dormi 3 heures. Soirée sympa, une soirée très sympa. Et ici, il est un peu trop tôt pour moi. Bon, ici, je me retrouve à Aragon. Aragon, c'est pas très loin de Carcassonne. Carca, pour ceux de la région. Et on se retrouve en petit comité. Et c'est plutôt cool parce qu'on va faire. On fait combien, les gars? 25. 25. Parfait. Aujourd'hui, 25, c'est parfait. Et on va tester le vélo pour la première fois en conditions réelles. Hein, parce que t'as vu la vidéo avec de la présentation, mais là, on va rouler pour de vrai. Ça va, les gars? Impeccable. Impeccable. Ouais. Vous entendez l'accent qui pétille? Hein, ça va? Ouais, le top. Je débire belge, les gars, vous inquiétez pas. Allez, on est vaillant, on y va. C'est dans la tête. Ouais, des fois, ce proverbe il est un peu pourri. Daniel, c'est toi qui donne le chemin à suivre, hein, donc t'as toute ma confiance là. Bon, allez, on va voir si ce vélo est roulant. Oh, oh, oh. Oh, ça saute, ça saute. T'as vu ça ou pas? Parce que l'arrière a décollé un peu. Ah, ça donne envie de pousser sur les pédales ici. Ah oui. Ah, allez. Allez. Oh, allez. T'as pas quelque chose de plus fort que ça? Ah bon, merde. Bon bah ça grimpe hein les gars, le Eagle. Wow. Ah la vache. Allez, quête. Ah putain. Ah. Attendez, on va attendre un peu les gars. Ah merde. Ouh. On va commencer à grimper hein. Oh, j'en ai plein le cul. Oh, ça patine un peu. Oh, ça monte là. On prend large. Oh putain! Après, c'est plaisir, tu veux qu'on prenne le 5 là? Oh merde! Est-ce que c'est le vélo ou est-ce que c'est moi hier soir? Je sais pas. C'est dur à juger là pour le coup. Oh la vache! Il faudra pas louper. Mathéo, c'est à cause de toi ça! Que je galère là, enfoiré! Oh, c'est beau là! Là, c'est les Alpes! Enfin, c'est les Alpes? Les Alpes et t'as le pic du Bugarache juste en face de toi. Le pic du quoi? Le Bugarache. Le Bugarache, ouais, du bien connu. Oh, du sable. Utilisation de la piste. Chez nous, c'est de la racine. Et ici, c'est de la caillasse. Hein. Chacun ses terrains de jeu. Putain. Ça fait 10 minutes qu'on monte. Et voilà, c'est dur quoi. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Bon, lui, il gueule, ça grimpe. Hein, pas... Je suis même pas sur le dernier plateau encore en plus, donc pas de problème pour ça. Eh ben, putain, elle était longue celle-là. Ah! Ils discutent tranquille, ils s'en battent les couilles. Je suis en train de mourir, ils s'en foutent. Ah, voilà, Jeff, arrête. Voilà. Ah, moi je suis content, je vois le canigou là. Allez. Wow, mais ça glisse. Wow, wow, wow. Wow, là. Oh, 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 oh.
Je l'ai pas encore en main celui-là pour les roues. Ah ouais. Attends, on va essayer de passer par là. Hop, hop. Oui, d'accord, ok, d'accord. Là j'ai mis du frein, je vous avoue clairement. Ça s'est peut-être pas vu la caméra, mais il y avait, c'était pas des ornières, c'était des cratères. Au milieu. Ah, là, c'est fait courir par musculaire. T'inquiète pas, c'est le meilleur passage, ce sera la vignette. Allez, un doigt sur le frein. Ouah. Pour moi, cette année, je trouve que ça a été chaud ici. Ouais. Bon, ici, après. En termes de température, c'est 2003 qui a été beaucoup plus fort. Mais par contre, il est resté contre l'impression. Il ne sait même plus quoi dire. Là, c'est depuis le 20 juin, on est à 35 de moyenne les après-midi. Bon, j'ai testé l'alcool avant de rouler. Ça marche pas. S'il y en a qui avaient des doutes, ça marche pas du tout. Merci, hein. Tu me sauves la vie là. Il y en a bien. Il se fout de ma gueule. Il se fout, il me voit galérer. Les pauvres, putain, je fais 800 bornes pour venir vous voir. Et il se retrouve devant un mec qui est pas motivé, qui a la gueule de bois. Je suis vraiment désolé, les mecs, vraiment. En principe, je suis rigolo. Allez, c'est reparti. On va essayer. Yes. Wouh. Désolé. Yeah, man. Il est chaud, Jack, il est chaud, ça y est. Oh. Allez. Les relances. Ah oui. Oh putain. Pas mal. Ah, c'était cool ça. Pas mal. Ça c'est joueur. Je t'ai pas rattrapé. Ma petite c'est comme ça pendant 4 mois. Ah ouais, c'était pas ça. Non. Bon, le vélo les gars, c'est une tuerie. Hein. Parce que ce que je viens de faire là, avec le cube, c'est mort. C'est clair, c'est mort. N'est-ce pas? Parfait. C'est plus un mec normal maintenant, c'est un enduriste. Ah, ils vont pas aimer ça. Ça, je vais couper. Non mais si, je suis normal, si tu fais du vélo une fois par semaine toute l'année, c'est la progression normale d'un gars. Donc je... n'est-ce pas? Tout à fait. Yes. Tout à fait. Merci messieurs. Faut pas dire que ça t'a bassé avant. Hop là. Quel bonheur. Là, le vélo fait plus un bruit. Y'a plus rien qui claque. Bon bah je vais mouliner maintenant. On m'annonce 3 km de descente. Je vous dis, la séquence va être un peu longue, hein, je vous le dis tout de suite. Ok les mecs, je vais vous offrir du spectacle. C'est aussi simple que ça, je n'ai rien d'autre à dire. Vous allez voir du spectacle. Daniel au pilotage, il va me suivre. C'est parti.
Voilà. C'était éprouvant les gars. Je suis heureux. Ah, j'ai fait du jardinage, je suis désolé. Non, non, mais... Ces ornières là, 2-3 fois je me suis fait peur. Le roi avant qui grimpe pas là. Mais si, elle va grimper. Ah, j'avais les... Écoute, c'est simple, les cuisseaux, les avant-bras, bon. Naze. Bon. Jeff. Ouh. Eh ouais mon gars. On subit un peu de fait. Ah ouais, on fait pas semblant. Ce qui est bien avec la vue que nous venons de faire, c'est qu'on voit qu'il y a aussi la progression à faire en enduro, bien évidemment. Mais le chèvrefeuille, tu l'as pris là, je t'ai vu prendre la droite à gauche. Je me suis dit, tu le prends, toi, tu n'as pas le choix. Est-ce qu'il va. Finalement, il n'a pas été aussi mauvais que ça. On a un collègue qui n'est pas encore arrivé là, donc là, ça devient inquiétant. Et ça fait au moins 3-4 minutes. Tu nous entends? Ah, c'est chelou là. Là, ça devient bizarre. Ouais. On avait les deux collègues hein, qui sont en VAE, qui remontent la piste. Parce que c'est vrai, c'est inquiétant là. J'ai même mec qui marche pas fort. C'est surtout qu'on n'a pas ouvert comme des ports non plus. Comment ça on n'a pas ouvert comme des ports? Comment ça on n'a pas ouvert comme des ports? Moi je joue à fond. Nous approchons les 10 minutes d'attente. S'il vous plaît. Nous sommes à 15 minutes. Donc on s'est assis. On les entend arriver. C'est bon. Hein? Deux, une peur que de mal. Une crevaison. Ah, ah, juste une crevaison. Une crevaison. Ah, bon, on s'en bat les couilles alors. Ah, celle-là, elle est belle. Hein. Faut quand même la voir. Il y en a une, deux. Tu vois, le mec, faut que. Trois. Elle a bien talonné. Et le préventif, il a rien fait, t'as vu. Allez, on est reparti. Direction voiture, on est arrivé. On est à 1 km de bagnole. Puis je pense qu'on a privé un petit ravito sympa, hein, à pas se priver. Combien de pourcents là? 18% là? En bas. Je te les dirai, je vais mouliner. Je pousse que dalle. Je mouline. Tiens, ils ont encore du jus les salauds. Moi c'est du jus de chaussette que j'ai. Jette ton corps. Ton dos en arrière aussi. Tu jettes tout. Non, je m'y connais un peu si tu veux. Et là, je vois bien que tu tires juste sur les bras, mais jette ton dos, vraiment, tout ton corps. Tes bras restent tendus, tu jettes ton dos. Ah bah voilà, et là, c'est le début d'un manuel, mec. Je viens de m'écraser les couilles sur la selle. Tracasse, pas de soucis. C'est quoi, il y a un truc universel, c'est quand même les ravitaillements. Bon, ici, c'est un peu. On sent le sud. Hein. Oh, les sportifs, quoi. C'est ça. Donc si tu prends un petit godet de chaque, voilà. J'ai passé 3 quarts d'heure à chaque fois. Je l'aurais ramené un peu de belge hein, aussi. Hein. Bon allez santé. Santé. Merci d'être venu. Ouais, bah, merci à vous pour le parcours. N'oubliez pas la mousse, c'est important. De bien se réveiller. Ah, c'est important ça. Ouh, ça me rappelle hier soir ça. Oui. 1 heure s'est passée depuis la dernière séquence. On est tous vaccinés. La bière était bonne. Ça a passé pas mal le circuit. Le ravito, le circuit. Tu sens le changement d'ambiance ou pas? Ouais. Bon, bah voilà, c'est ici que s'achève. Voilà. Ouais, voilà. Bon, la semaine prochaine, ce sera la vidéo avec Alexis Righetti. J'ai trop hâte de vous la montrer. Tu vas la recommencer celle-là. Non, mais voilà. Quel bâtard. Bon, bah, tu sais quoi, Facebook, tu t'abonnes sur YouTube, Instagram, Strava. Voilà, on s'arrête ici, ok? Jingle.